Yo, nouvelle vidéo assez différente. Si vous vous rappelez, il y a quelques années, Etoile avait organisé un question pour un champion UHC qui mélangeait l'UHC et la culture générale. J'avais gagné et ça en avait fait une vidéo très cool. Et bien, il y a quelques semaines, j'avais envie de ramener ça. J'ai du coup cette fois-ci endossé le rôle de présentateur. J'ai invité une vingtaine de personnes, globalement tous les gens du groupe LG. Je leur ai à tous demandé des thèmes et puis on est parti en UHC. Du coup, cette vidéo, ça va être le résumé de cette partie d'un point de vue du spectateur qui va poser les questions à tout le monde et qui va regarder tous les fights. Ça va du coup être assez long, mais ça va être cool. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Ok, tout le monde est là? Ouais. Ok, let's go, bah je vais expliquer les règles. Donc c'est un UHC, UHC question pour un champion, donc il va y avoir des questions. C'est un UHC. Merci. Première, voilà c'est tout, c'est toutes les règles, merci à vous. Non sinon, il va y avoir des questions dans le chat au début et enfin pendant la phase minage. Ouais, culture G genre. Culture G, un peu tout. Mais je vais aussi me TP à chaque personne pour leur poser des questions par rapport au thème que vous m'avez envoyé. Ouais. Voilà. Puis après il y aura aussi des questions un peu random, genre si vous croisez en cave ou en fight, avant un fight, je vous poserai des questions, etc, etc. Et pour les deux vainqueurs, il y aura un face-face final avec des questions un peu plus longues. Enfin, les deux vainqueurs, les deux finalistes plutôt. Ouais. On dirait une émission sur France 3, genre. C'est vrai que ça ressemble un petit peu. France 3 pour le fight. Pour les règles de stuff, c'est full diam s'autoriser. Par contre, les limites d'enchant, c'est protection 2 et sharpness 3. Par contre, j'ai mis abso 1 cœur pour que les gens puissent se tuer un peu. Power 3 max, évidemment. Pas le droit à tout ce qui est punch, flame et tous les trucs à la con comme ça. Par contre, si jamais je vous fais gagner avec des questions, des trucs de ce genre, genre un flame quoi, vous pouvez évidemment l'utiliser. Et pareil, ouais, si, si je vous fais gagner un livre, bah vous pourrez l'utiliser pour améliorer votre stuff plus haut que la limite. Voilà, comme ça il y aura des stuff un peu différents. Et oui, est-ce qu'on peut ramasser, par exemple, si on tue un mec avec un flame, on peut le ramasser ou pas? Vous ramassez pas, vous avez raison. Attends, juste un dernier truc, est-ce que vous pouvez rester tous des mute mumble, déjà pour pouvoir m'entendre si je me TP sur vous, mais aussi parce que j'aime bien vous écouter si... En KF, si vous répondez aux questions. Voilà. Ah ouais, c'est chelou ça. Non, mais c'est marrant. C'est... Genre, quand je pose des questions dans le chat. Non, mais. C'est vrai qu'il dit comme ça. J'adore vous espionner. Je vous regarde. Ok, parfait. Donc, ça va commencer. Je vais poser les premières questions très vite. Première question globale pour. Genre. Deux. Attends, première question là, déjà là. Ouais, c'est bon, frère, je sais pas. Hein. Ok. Voilà. J'ai pas besoin d'aller chercher de la canne. Bravo. Du cœur. Maxi PA. Merci. J'allais partir chercher de la canne du cœur. Bah tiens, tu as donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo à toi. Première bonne réponse, je m'attendais à ce que tu la trouves. Et tu l'as trouvée. Merci. La deuxième, je la ferai dans quelques minutes. Mais du coup, là, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Il va y avoir plusieurs séries de 3 questions de ce genre. Je vais la poser la deuxième maintenant. Oh, 3, Gapple. De quoi? Pourquoi dans cette game? Dans quelle année est sortie Avengers 7 game? 2017? Non. Attends, GG! Merci! GG, bravo à toi, je vais te donner slash give 3. Voilà, tu les as reçus. Super, merci, super bien. Tu commences très bien cette partie, bravo à toi, tu es un des deux gouttes de la partie avec Restump. Ça fait plaisir. J'ai imposé une troisième dans quelques minutes, qui va être une question OP. La réponse était 2019, du coup, voilà, Sofin a trouvé en premier, bravo à lui, pour une pioche. FI 3, break 3 en diaps. Voilà, GG Dalil. Bravo pour ta réponse. Et voilà, amuse-toi bien, t'auras un petit minage sympa. Oh là là. Merci. Je vais pouvoir commencer les questions individuelles. On va faire ça de manière random, c'est-à-dire qu'on va se TP aléatoirement sur les joueurs de la partie. Avance R. Eh hey, Dalil. Wesh, ça va? Ah salut. Attends, je me mute. Salut, bah voilà, je me suis TP au hasard sur toi et c'est toi sur qui tu tombais pour la première phase de questions individuelles. Mais non, incroyable, ok, vas-y, je suis prêt. Donc toi ton thème c'est le Liverpool Football Club. Absolument. Très bon club. Ouais bah merci, ça fait plaisir. Attends, je peux toujours miner, ouais, vas-y. Oui vas-y, tiens, je te suis un spec. Comme ça, ça t'embête pas. Ouais, alors, mes pommes. Il va y avoir 3 questions, une facile, une moyenne, une difficile. Et pour chaque bonne réponse, tu auras le droit de prendre une récompense parmi celles que tu veux. Masterclass, ok. Donc je commence avec une question facile. Ok. Combien de Ligue des Champions a gagné Liverpool dans son histoire? 6. Bravo, très bonne réponse. Et voilà. Du coup, tu as le droit, tu as le choix entre 5 diamants ou 3 gapples. Choisis ce que tu veux. Ouais, vraiment? Ouais. Alors, moi, je t'explique ma logique. Gapple, j'en ai rien à foutre parce que je vais mourir au premier fight. Donc, je prends les diamants. Allez. Alors, ok, bah tiens. Ça, la masterclass. Ça commence très très bien. Oh là là, allez. Ça fait plaisir. Alors, on va passer sur la question du coup moyenne. Ok. Après 9 saisons au club, Jürgen Klopp a annoncé son départ en fin de saison. Qui était son prédécesseur? Ah, c'est Brendan Rodgers. Bravo. Voilà, Brendan Rodgers. Bravo. Ouais, super, tu régales. Oh, alors c'est quoi là? C'est quoi? Ah là, c'est pas mal. Là, t'as le choix entre 5 Gapple.
Oh là là, ok. 8 diamants. Ok, ouais, non. Ou alors, ça, non. Un livre protection 2, mais avec lequel tu auras le droit de faire un P3, si tu le mets sur une pièce déjà P2. Oh. Ah, genre, je peux même mettre sur du diams. Oui, ta pièce P2, oh. Tu pourras la transformer P3 avec ce livre. Ouais, vas-y. Ok. Je prends ça. Ouais, vas-y. T'aurais pris ça aussi? Sans doute. Et puis, dernière question, je sais pas si elle est si dure que ça. Qui est le joueur le plus capé de l'histoire de Liverpool, toutes compétitions confondues? Jamie Carragher. C'est pas ça. Non. C'est qui? C'est Ian Callaghan. Putain, ouais, mais c'est vrai, tout ouais, ok, moi je savais juste en première ligue, ok, bah dommage. Du coup, y'a pas de l'autre consolation, hein. Non, y'a rien. Bah non, mais t'as déjà été bien, hein, n'abuse pas. Voilà, le mec qui abuse. Non, ça va, ma mère, si tu régales. Bah, GG à toi. Il a été très chaud, on va stepper sur quelqu'un au hasard. Ouah, t'es terrifiant, frère. Oh, Dwino. Ouais, je fais peur aux gens, j'aime bien faire peur aux gens. Bon, je t'avoue, je connais pas très très bien ton thème, donc j'espère que ça va pas être trop facile ou trop dur. Donc ton thème, c'est Naruto. Quel est le numéro d'équipe associé à l'équipe de Naruto? 7. Allez, hop, voilà, facile. La récompense. Oh là. Quel est le nom du premier générique du début de Naruto Shippuden? Le premier générique? Waouh, attends. Ouais, j'ai rien connerie, mais c'est pas Bluebird, mais je veux dire Bluebird, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est Heroes Comeback. Putain, je me souviens même plus. C'est dommage, oh, c'est une question moyenne. T'aurais pu avoir des bons trucs en plus avec. Par contre, elle est dure, je sais pas s'il est dur, mais voilà. Cite-moi 5 membres parmi tous les membres connus des 7 épéistes de la brume. Waouh. Attends, c'est dur, hein. Kizame. Oui, ça fait un. Suiketsu, du coup. Bah, il a repris l'épée de Kizame, du coup, c'est devenu un épéiste de la brume. Je sais pas si ça coûtait pas dans ma liste, mais. Attends, Zabuza. Oui, ça fait 2. Non, ouais, je sais pas les autres. Il y avait Raiga Kurosuki. Il y avait. Je sais pas, il y avait Kushimaru Kuriare. Il y avait Jinin Akebino. Mangatsu Ozuki, Ameyuri Ringo, Fuguki Suikazen, Jinpachi Munashi et Juzo Biwa. Ou Juzo Biwa. Mais attends, mais ça c'est des blagues, frère, on les entend une. Oh, ah bah c'est une question dure, hein, Chérim. Oula, allô. Ok, c'est bon, let's go. Du coup, ton thème c'est la Formule 1. Exactement. Première question, donc il y a 3 questions, une facile, une moyenne, une difficile. Qui est le plus jeune champion du monde de l'histoire? Sébastien Vettel. C'est une très très bonne réponse, bravo à toi. Je prends les 5 diams, direct. Ok, à 10 km/h près, quel est le record officiel de vitesse dans un Grand Prix détenu par Kimi Räikkönen? Record de vitesse? Ouais. Oh, 370. Oh, c'est précis. Pas de jeu à toi. Bah allez, le petit livre P2. Ok, quelle est la seule femme à avoir remporté des points lors d'un Grand Prix de Formule 1? Oh, ça remonte ça. Ah, ça a l'air d'être vieux, ouais. Je ne l'aurais pas. Tu ne l'aurais pas, tu veux que je te dise? Vas-y. Il s'agissait de Leila Lombardi. Et tu sais quand c'était ou pas? Je peux te dire ça vite fait. En 75. Salut Caliste. Wesh, tu m'as fait peur. Ouais, je sais, tout le monde a peur quand j'arrive. J'ai trop peur. Le screamer un peu. Bon, du coup, c'est à ton tour d'avoir des questions. Bon, tu as choisi un thème qui est sans surprise ton métier. Ouais, en gros. League of Legends, voilà. Ça veut pas dire que je vais bien répondre, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que c'est large, il y a le lore, il y a le jeu, il y a l'esport, etc. Quelle équipe a remporté la première édition des Worlds de League of Legends en Suède? C'est Fnatic. Bravo à toi. Alors, deuxième question, moyenne. Combien y a-t-il de champions? Oh. Il y en a... Ça a augmenté. Attends. En fait, j'ai à peu près, mais j'ai pas exactement. Je pense que je vais flip, genre. Tu sais qu'en ce moment où j'ai écrit la question et maintenant, ça a changé, donc. Ouais, c'est ça, mais y a un problème. Je pense que je vais flip, genre 162. Non, c'était 167. Putain. Ils aiment trop sortir des champions tous les deux jours aussi. Ah, il y en a 1000, hein. Bon, et dernière question, qui finalement sera peut-être plus simple pour toi. Donne-moi 10 joueurs qui ont évolué chez T1. Chez T1? Ouais. Ok, bah je peux te dire du coup les 5 actuels. Donc Gumayuzi, Honor, Faker, Kireya et Zeus. Effectivement. Je peux te dire Marine, je peux te dire Bank, je peux te dire Teddy, je peux te dire Wolf, Uni. Uni, ouais, bah bien joué à toi. Finalement, c'était pas si dur. Tu vas avoir le choix entre 3 trucs, soit 8 Gapple. Ok. Soit un livre tier 3, mais avec lequel tu auras le droit de faire une pièce T4, genre si t'as une Sharpness 3 et que tu choisis Sharpness 3, tu peux faire une Sharpness 4. Okay. Ou alors une épée en or Fire Aspect. Oh, je pense que je prends un livre un livre tier 3. Tu veux lequel? Sharpness 3, Protection 3, Death Strider 3? Je pense que je vais prendre Sharpness 3. Ok, bah le voici, du coup tu pourras te faire une T4 à vrai. T'aurais pris quoi toi? J'aurais pris ça aussi. Okay. Ah! Ou pardon, je t'ai fait peur. Alors du coup ça va être 3 questions sur ton thème qui est donc Mohamed, ouais. Ali. Quel était le vrai nom de Mohamed Ali avant qu'il ne change légalement de nom? Cassius Clay. Bravo, c'est ça. Les gars, vas-y. Vas-y, tiens, let's go, GG à toi. Question moyenne, même si elle est pas si... En vrai, elle est pas si dure, je me rends compte. Vas-y. Quelle maladie Mohamed Ali a-t-il combattu pendant de nombreuses années? Parkinson. Voilà, c'est un peu simple en fait. Ouais, c'est ça. Le livre. Ok, beaucoup de gens ont choisi ça. Enfin, tout le monde, ouais, en fait. Ouais. Quel film biographique sur la vie de Mohamed Ali a été réalisé en 2001 avec Will Smith dans le rôle titre? Bah, Ali.
Ouais, bah, finalement, c'était simple. Ça s'appelle Alil, le film. Je sais pas, mais qui... Ouais, bah, bravo. Après, je crois qu'il y en avait d'autres qui s'appelaient différemment, donc... putain, c'est... Ouais, elles sont vraiment simples, tes questions, en fait, je me rends compte. Vas-y, je prends Sharp 4. Ok, enfin, du coup, c'est un Sharp S3, mais tu pourras te faire une Sharp 4 avec. Ouais. Tiens, bon, voilà. Salut. Ah, allô. Allo, allo, tu es le prochain sélectionné pour des petites questions sur ton thème qui est, si je ne me trompe pas, One Piece, c'est ça? Bon, je suis désolé, je connais pas assez le truc, donc ça se trouve, elles sont trop simples ou trop dures. J'espère que ça devrait être fine. En quelle année One Piece a commencé à être, enfin, apparu pour la première fois? En 1997. C'est effectivement ça. Bravo à toi. 3 gapels. Ok, ensuite, question moyenne. Okay, quelle était vas-y. La prime de Barbe Blanche? Putain, il nous a fait attendre pour ça. À 40 millions près. La prime de Barbe Blanche? Ouais. Je sais que c'est 4 milliards. 4 milliards 800 millions de berries. Non, c'était 5 milliards 46 Merde. Millions. Malheureusement. Mais c'était à combien près? À environ 40 millions près. Donc dans tous les cas, t'étais pas dedans. Ouais, j'étais pas dedans. Malheureusement. Quels étaient les 4 masques des membres du CP9 lors de l'attaque de la Galella Company? Les 4 masques, genre les personnes? Ouais, enfin, quel masque ils avaient? Les personnes, les 4 membres du CP9. Alors... Il y a, je sais que j'aurai un masque de carnaval, il y a un taureau. Ouais. Il y a un squelette. Ouais. Il y a un taureau, il y a un carnaval et il y a un ours. C'est ça, bien joué à toi, t'as été chaud. Genre j'ai le droit à un livre genre tier 4. Non, tier 3, mais avec lequel tier tu pourras 3. Faire jusqu'à une pièce tier 4. Vas-y, si je vais prendre ça. Ok, tu prends quel livre? Je prends Sharpness. Ok, bah tu pourras te faire une T4 si tu le veux. Tiens, salut, si je peux te reprendre. Oui. Ton thème? C'est Hollow Knight, du coup. Ouais, ouais, mais je pense que je me suis un peu surestimé. Je t'avoue que les questions sont peut-être un peu trop dures, vu que je pensais que tu connaissais le jeu, et je connais pas moi, donc j'espère qu'elles sont pas trop ouais, dures. Ouais, on va voir, hein, on va voir. Alors, première question. Comment s'appelle la première ville visitable du jeu? Faut oublier. Ah non, pardon. Dearth Mouse. C'est une très bonne réponse. Bravo à toi. Je veux bien les diamants. Ok, bah tiens. À ce moment-là. Quel studio développe et édite le jeu? La Team Cherry. Bravo, c'est effectivement ça. Bah, le P2, hein. Tous les jours. Ok. Comme tout le monde, finalement. Et dernière question, plus difficile normalement. Quel ouais. cadavre est visible sur le trône du Colisée? Je sais pas, on va dire le roi, je sais pas. Le roi. Non, c'est le seigneur fou. Ah ok, ouais, non, ça je l'avais pas. Ouais, bah c'est une question dure en même temps. Ça c'était trop dur, ouais. Bon ça va, t'en as 2 sur 3. Ouais, mais tu peux être sur Mumble et sur TS en fait. Ah bah salut. Vas-y, viens. Ah. T'as trop marrant, vous êtes dedans en même temps. Bah ça tombe bien, je vous poserai... Oh, non, vous savez quoi, je vais vous faire un duel. Le perdant devra gagner 2 gapples à l'autre. Devra donner 2 gapples à l'autre. Ouais, et vu que c'est un duel, ça va être des questions de culture générale complètement au hasard parmi toutes les questions que j'ai. Et puis t'arrives sur ton cul, donc c'est bon quoi. Non, pas t'as dit quoi? Ça va être un BO3, 2 questions random, enfin 3 questions random du coup. Quelle guerre a été déclenchée par l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand? La première guerre mondiale. 100 ans. Bravo Nanox. 1-0. Oh non, c'est une meuf qui est morte pour la première mondiale. Vous voyez vos sources. Hein. Ok, bah question suivante. Quelle est la capitale de la Croatie? Oh merde. Ok, il s'agissait de Zagreb. Ah ouais, non, j'ai jamais entendu. Plus, j'avoue. C'est super connu en plus. Sous quel autre nom connaît-on mieux le chlorure de sodium? Chlorure de sodium? Le sucre, non? Non. Le sodium. Ah, c'est pas du savon? Non. L'acide chlorhydrique? Non, il s'agissait du sel. Combien de temps dure un match de handball hors prolongation? Une heure, bah bravo Yann, c'était rapide. Et c'est un BO3? Ouais, BO3, donc là, la prochaine personne qui gagne aura gagné ce BO3. Et... Comment nomme-t-on un mot qui peut se lire dans les deux sens? Palindrome. Waouh. Ok, j'ai même pas eu le temps, je suis dégoûté. Trop rapide. Bah voilà, tu dois donner 2 gapples à... Oh, je suis deg. Salut. Un peu le... Salut. C'est à toi de recevoir une question. Donc ton thème, c'est un thème qui a été compliqué à faire. C'est un novel, light novel. Ouais, the beginning after the end. Oui. Première question, qui j'espère n'est pas trop dure, peut-être qu'elle est trop dure. Comment s'appellent les amis d'enfance de Grey? De Grey? Ouais, de Grey, je précise. Cecilia et Nico. Bien joué à toi, c'est effectivement ça. 5 diamants. Je suis à poil là. D'accord. Je suis tout nu là, merci. Ok. Quel est le déviant du lens Alfred Warrend? Le magma. Bien joué, effectivement. Ah, livre P2. Ok, comme tout le monde. De qui provient le prénom Arthur, choisi par le King Ray après sa réincarnation? Waouh, c'est pas le frère du daron? C'est pas ça, non, ça vient de son arrière-grand-père. Ah, arrière-grand-père. Ouais, elle était dure celle-là, bah normal, c'est la question dure. Bah, du coup, voilà, je t'en poserai plus tard d'autres. Rien. Salut. Salut. Bon, vous savez quoi? Ça va être juste une question flat BO1. Le gagnant Vas-y. Donne une gapple à l'autre. Enfin, le perdant donne une gapple à l'autre, pardon. Oh putain, ok. Sinon, ça fait pas de sens. Alors, Question complètement au hasard. Qui a peint la nuit étoilée? Van Gogh. Bien joué, Narco. C'est ça. GG. Allez, donne-moi cette gapple là. Bravo. Merci. GG à vous. Salut, Showbox.
Donc ton thème, okay. C'est le cinéma japonais. Qui a réalisé le film Rashomon, sorti en 1950, considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma japonais? Akira Kurosawa. C'est exactement ça, bravo à toi. Quel est le nom du réalisateur japonais connu pour ses films d'horreur tels que Ring ou Dark Water? Hideo Nakata. C'est exactement ça. Est-ce qu'il était trop simple, juste pour savoir? Non, ça va. Moi, j'ai eu un petit doute, parce qu'en plus, je suis pas très familier avec le réalisateur, mais... Ok. Un P3, 5 Apple, 8 diamants, ou P3? Je vais prendre les 5 Gap, hein. Ok. Oh, tu es le premier qui prend ça. Quel acteur japonais est célèbre pour ses rôles dans les films de samouraï réalisés par Kurosawa, notamment Yojimbo et Sanjuro? Toshiro Mifune. Bien joué. Elle était peut-être simple, elle. Un peu plus simple que les autres, ouais. C'est ce que je me rends compte. Pour la difficulté difficile, ouais, un petit peu simple. Vas-y, je prends l'affaire Aspect. Intéressant. Salut. Ah, salut. Donc ton thème, c'est Pixar. C'est ça, ouais. Première question que je vais te poser, quel est le premier long-métrage fait par Pixar? Toy Story. Effectivement, tu as raison, c'est ça. Incroyable. Je prends de... Allez, 5 diamants. Quel film Pixar a eu le plus gros box-office? Ah, le plus gros box-office? Ouais. Waouh. Wow. Attends, dis-moi si j'ai faux. Hein. Moi, je crois que c'est Toy Story, allez, 4. C'est pas ça. C'était... Putain, c'est quoi? Indestructible 2. Oh, merde. Ok. Dernière question. Comment s'appelle le personnage principal, fourmi un peu tête en l'air, des mille et une pattes? Oh, putain. Aucune idée. Aucune idée. Il s'agit de Tilt, ou alors Flick dans la version anglaise. Ok, non, je vais pas du tout. Attends, je suis un flop. Ouais, bah, ouais. T'auras d'autres questions après, normalement. Ok, ça marche. Vas-y, bah merci pour les diamants. Yes, de rien. Salut. Wesh. Salut Restom, c'est à ton tour de passer aux questions. Cool. Donc toi, tu as pris le thème cinéma américain, un thème assez large. Donc première question, facile normalement. Donne-moi 5 films qui sont dans le top 10 du box-office mondial de tous les temps. C'est tous des films américains. Oh, dans le top 10 du box-office de tous les temps? Ouais, tu dois m'en donner 5. Ok. Alors, je pense qu'il y a Titanic. Ouais, d'ailleurs, c'est pas avec l'inflation, hein. C'est vraiment le box-office flat. Je précise au cas où. Ok, il doit y avoir Avengers Endgame. Ouais, ça fait 2. Ah, ok, ça c'était les points faciles. Tu peux me dire, ils sont combien ou pas? En haut, non. Attends, Avengers Endgame, il est 2ème, Titanic, il est 4ème. Ok, il y a un truc devant. Ah, je dirais que ça doit être des films récents et de super-héros. Il y a peut-être un autre Avengers, mais je connais pas les noms. Enfin, je suis pas sûr. Genre, je dirais l'avant-dernier, celui d'avant Endgame. Je sais pas si c'est l'air du film ou pas, mais. Ouais. Tu le mets? Ouais. Il est dedans aussi, ouais. Il est genre 6ème. Ok. Ah, je sais pas ce qu'il y a d'autre qui est pas super haut. Déjà, le top 1. Ah, mais c'est Avatar. C'est ça, top 1, effectivement. Et il t'en manque un. Ah, bah Avatar 2. Voilà, effectivement, bravo. Ah oui. En autre, t'avais le premier Avengers. T'avais aussi Star Wars 8. J'ai failli le dire. T'avais Spider-Man No Way Home. Black Panther? Non, Jurassic World et Le Roi Lion. Ah, j'ai pensé à un Jurassic Park, mais vas-y. Oh, Le Roi Lion, j'aurais jamais trouvé. Oh, vas-y, 3 Gapple. Ok, du coup, question suivante. Le Retour du Roi a reçu 11 Oscars. Ce qui est le record de la cérémonie. Mais il y a 2 autres films américains qui partagent ce record. C'est lesquels? Ben Hur et 11 Oscars. Attends. Bah, Titanic. Effectivement, bravo. Bien joué. Il est tout le temps là, Titanic, visiblement. Oh, le livre P2. Ok. Et puis, dernière question, normalement difficile. Comment s'appelle le tout premier film tourné à Hollywood en 1908? Oh putain de merde. Alors là, c'est un film connu? Je connaissais pas perso. Est-ce que c'est un film de Charlie Chaplin? Non, je crois pas. Bah, je sais pas là. C'était The Count of Monte Cristo. Ah, ouais, ok. J'arrête. Tu l'aurais pas eu? Ouais, ok. Non, jamais, jamais. Bon, ça va, t'as eu 2 sur 3. Salut. Donc, ton thème, c'est Game of Thrones. T'as fait des questions hyper dures. Non, ça va. Bah, c'est de plus en plus dur. En fait, tu vas avoir 3 questions. Une facile, une moyenne, une difficile. Okay. Donc, voilà. Première question facile. Qui est l'auteur de la série de livres dont est adaptée la série Game of Thrones? George R.R. Martin. Effectivement, c'était pas très dur. Tu facile. L'as eu. Ok, facile. J'en ai eu une, ça bon. C'est bon. Ouah, 5 diamants, 5 diamants. Voilà, t'as l'air d'être en galère, effectivement. C'est la merde, là. Quel est l'emblème de la famille des Bolton? C'est un mec qui se fait torturer, genre qui a les bras écartelés. Un mec qui se fait écarteler, qui est en feu. C'est pas exactement ça. C'est un mec qui est sur un truc de torture, avec les bras et les jambes écartés. Ouais, ok, en fait, tu as la bonne description, c'est juste que tu sais pas exactement ce que c'est. En fait, c'est un homme écorché, mais je vais te le compter. Parce que t'avais le truc en tête. Ouais, mais ça, c'est ça, ouais. Je savais pas le mot. C'est ça. Ok, vas-y, un livre protection 2. Ok, tiens. Et dernière question, difficile. Nomme-moi les 3 villes de la baie des Cerfs à Essos. Ouais, Myrine, les 3 villes. Ouais. Il y a la ville avec les saisons 2 avec tous les mecs bizarres. Ouais, les zones salides. Ouais, non, je sais pas. C'était quoi? Il y a Myrine, il y a Yunkai et il y a Astapor. Ah, ok, bon, j'aurais pu en avoir 2, mais pas plus. C'était un peu dur. Bien vu. Ah, c'est la question dure. Ok, merci. Salut, Seguil. Ah, ça va? Ton thème, c'est Koh-Lanta. Première question facile. Qui est le recordman d'épreuves individuelles gagnées? Claude. Effectivement, c'était facile et tu as eu la bonne réponse. Deuxième question moyenne. Vas-y. Dans quel pays ont été tournées le plus d'éditions de Koh-Lanta? Wow, oh, la question de zinzin. Alors, mais il y a eu des éditions qui ont été faites aux îles Fidji et il y en a eu, je crois,
3 ou 4. Et depuis 2021, c'est en Polynésie française. Donc... Et toi, est-ce que si je dis Polynésie française, ça compte comme, comme le truc ou c'est ou faut que ce soit un truc précis? Non, ça va, ça marche, Polynésie française. Ah putain, c'est entre les deux. Alors j'hésite entre Fidji et Polynésie française. Ah, je veux dire Polynésie française. C'était Fidji. Ah bah voilà, une chance sur deux. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok, bah je vais te poser tes questions à toi et puis après je ferai la note, vous êtes à côté, ça tombe bien. Putain, mais il est encore à côté l'autre. Mais ça fait deux fois que je me. Ah, mais vous... ah oui, c'était déjà vous en fait, je suis bête. Ton thème c'est. Attends, pour être précis, c'est football. C'est football précis, ouais, avec quelqu'un qui a pris football depuis 2010, donc je voulais pas confondre. Oh putain, l'idée de ouf, j'aurais dû faire ça en fait. Ouais. Combien de Ligue des Champions a gagné le Real Madrid, actuel recordman de la compétition? 14. Effectivement, avec la dernière, ils en ont 14. Cite-moi tous les joueurs français qui ont remporté le Ballon d'Or. Zidane. Oui. Bon vieux Michel. Oui. Karim. Karim, oui. Et c'est tout ce que j'ai. Ah, c'est tout ce que t'as? Attends, ok. Il a un nom bien franchouillard... juste Fontaine? Non, il n'y en a pas eu. Ah ok, bah je sais pas alors. Il y avait Coppa, Raymond Coppa, et il y avait Jean-Pierre Papin. Ah oui, c'est Papin. Ok, ok. Bah dernière question. Qui est l'actuel président de l'UEFA? Ah mais c'est plus... c'est plus Platini là. Non, c'est plus Platini. Non, ça fait longtemps. Ah bah je sais pas, j'en ai aucune idée. C'est Alexander Seferin. Ok, tant pis. Dommage. Bon, t'as eu une, c'est déjà ça. Du coup, tu m'entends, Nanox? Allô? Du coup, ouais, ton thème à toi, c'est Bleach. Je t'avoue que je connais pas du tout, donc j'espère que les questions sont pas... Enfin, sont, oh, okay. On va voir, hein. Première question, quelle est la race de Uryu Ishida? Un Quincy. Effectivement, bravo à toi. Alors, deuxième question, qui possède le plus petit numéro au sein des Arrancar? C'est censé être 0 ou 1? Bah, le plus petit, donc 0. Yami. Yami Largo. Effectivement, tu as raison. Dernière question, sur quelle distance Jin peut-il allonger son sabre? À 200 km? Non, c'était 13. Ok. Bon bah voilà. Ok. Bon, t'en as eu 2 sur 3, ça va. Oh putain, tu m'as fait trop peur. Oh, salut Tac, ouais, t'es déjà en 0-0. Ah, mais qu'est-ce que ouais, tu fous? Ça fait 10 minutes, j'y suis. Ah, ouais. Bon, du coup, je vais te poser des questions maintenant parce que ça se trouve, tu vas être mort avant la fin. Vas-y, mais je suis en train d'écrire thème pour montrer ma suprématie, tu vois. Waouh, la suprématie de son jeu. Du coup, ton thème, tu as choisi Inazuma Eleven. Thème exactement. Que je ne connais pas, donc j'espère que les questions seront de bonne difficulté. Je pense que c'est le GOAT. Alors, première question, qui est le nom du grand-père de Marc? C'est David Evans. C'est une excellente réponse. Si. Combien y a-t-il d'épisodes qui composent Inazuma Eleven? Donc on parle bien des trois premières saisons. Les trois premières saisons, oui, la première truc officiel. La finale se finit épisode 128, enfin 126, et je crois qu'il y a deux épisodes filler, donc je vais dire 128. Non, c'est 127. Quel putain flop. C'est dommage, t'étais pas loin. Hein, après. Question finale difficile, normalement. Sur quelle île se déroulent les phases finales du tournoi Football Frontières International? Lyokot. Effectivement, ouais, t'es plus simple, je m'en doutais quand j'ai lu sur l'oreille finalement. En vrai, je pense que pas tout le monde là, tu vois ça. Ouais. Mais c'est juste que je suis un nerd. Ouais, t'es un goat en fait, c'est tout ça. Je suis juste un gros nerd. Je vais prendre la deuxième option, le livre. Bah tiens, un petit livre Sharpness 3. Voilà, tiens. Si merde, le goat, bah je vais repartir en cave après mon M. Merci. Regarde, bah, salut. Je suis avec Kiruto. Bon, bah, j'ai pas, vu que je suis un peu en retard, je vais juste vous faire une face très rapide. Ouais, vas-y. D'une attends, question. Théo, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, vas-y. Quel est le seul sport individuel à avoir été joué sur la Lune? Tennis. Basket. Badminton. Handball, badminton. Non. Football. Saut en hauteur. Je l'ai dit déjà. Bon bah, terminé. Voilà. C'était le golf. Oh, battle. Vous savez pas de l'image? Ah, bah oui, putain, on est trop con, mec. Oh. Bon, question suivante. Qui a composé la flûte enchantée? Question suivante? Merlin l'enchanteur, non, je sais pas. Ok. Allez, question d'après. Bon, allez, question d'après, oui. T'en as combien en stock? Non, j'en ai pas mal. On va faire. Alors, ok. Quelle est la capitale de l'Australie? Sydney. Non. Melbourne. C'est pas ça. Non plus. Melbourne. Non. 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 Ouais, je passe. Bon, vous passez. C'était Canberra. Mais, oh. Ah ouais. Oh non, ouais, non, je l'avais pas. Bon. Quel est le fleuve le plus long du monde? La Seine. La Meuse. Le mec qui connaît que ça, tu sais. Attends, non. Oh la vache, c'est trop folie. Le Nil, le Nil. Oh, Kiruto, bravo. Allez. De Gapol. Allez, ralasse-moi. De Gapol, ouais. Allez. Oui, putain, je suis trop con, sa mère. Mais oui, en plus. Salut Dalil, il est temps de te poser des questions. Ouais. Enfin. Oh, ça m'a fait peur. Ton thème c'est donc Smash Bros. Première question, qui est censée être facile, après j'en sais rien. Quel joueur ayant dominé la scène pendant plusieurs années est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de Melee? Le meilleur joueur de Melee? Ouais. Bah je sais pas, il y a Armada, il y a Mango. En fait il y en a plusieurs sur Melee, c'est une question ultra. Il y en a plusieurs mais c'est souvent lui qui est considéré comme le top 1. Bah si c'est le GOAT c'est Armada. C'est effectivement ça, t'as raison. Ok. Du coup bon c'est 3 Gapple ou 5 Diamants mais tu vas choisir 3 Gapple je pense. Oui oui. Deuxième question, en quelle année est sorti le premier jeu de la série Smash Bros? 98. Il me semble que c'est 99, hein. Peut-être 99, ouais. Je vais vérifier parce qu'il me semble que ça dépend de la date japonaise, mais il me semble quand même la date japonaise, ouais, c'est 99 le premier jeu, effectivement. Malheureusement. Okay. Troisième question, quel joueur a remporté le tournoi Genesis 7 en s'imposant en grande finale contre MKLeo? Mars. Oh bah GG.
clairement, les trucs récents, tu t'y connais mieux. Go la Sharpness 3. Bah tiens, voici pour toi. Let's go. Bah, salut, coup, désolé pour la TP un peu brutal. Ton thème, c'est les maths. Oui. Bon, je suis pas très mathématicien, donc j'espère que c'est pas trop dur. Qu'est-ce que la médiane d'un ensemble de données? C'est la donnée centrale, en gros. T'as la moyenne, c'est genre quand tu additionnes tout et que tu divises par le total. Et la médiane, c'est juste la donnée centrale quand tu prends toutes les données. En gros, c'est celle du la valeur du milieu totalement. Oui, c'est exact ça, t'as raison. Du coup, ta récompense, c'est 5 diamants ou 3 gapples. Mais bon, vu que t'es full diam, je pense que je veux pas les gapples. Question moyenne, qu'est-ce que le nombre d'Euler et quelle est sa valeur? J'en ai aucune idée. Nombre de Euler. Euler, je sais pas comment ça se prononce. J'en ai aucune idée, j'avoue. Ah, c'est E, la constante mathématique et la base des logarithmiques. Ah, bah voilà. Ça vaut 2,7 et quelques. Ok. Oui. Mais tu fais des études de maths en fait? En gros, j'ai des maths dans mes études, quoi, mais ça reste quand même une grosse partie. Ah oui, ok. Bon, je sais pas, c'est la suivante. Qui est le mathématicien indien qui a inventé le concept de zéro? C'est Elon Musk. Ça doit être ça, c'est pas loin. Non, c'est Brahma Gupta. Je connais pas du tout. Ah merde, bah c'était un peu dur, désolé pour ça. Oh non, bah voilà. Bon, t'en as une, c'est déjà, ça t'a eu quelques gapples. Ouais. Salut Sophin. Ah, je salut. Suis là, je suis arrivé un peu tard, je t'ai pas encore posé de questions, je crois. De toute façon, t'avais déjà gagné une au début. Du coup, ton thème, c'est football depuis 2010. Première question. Combien de Ligue des Champions a gagné le Real Madrid depuis 2010? 2014, 2016, 2017, 2018 et 2022, donc 5. Exact. Donc tu as le choix entre 5 diamants et 3 gapples, mais bon, je pense que tu vas choisir les gapples. Ouais, je vais prendre les gapples. Deuxième question un peu plus dure. Cite-moi les 5 équipes qui ont remporté la Ligue 1 depuis 2010, en inclus 2010. Inclus 2010? Ouais. Bordeaux, Marseille, Lille, Montpellier... Attends, non, pas Bordeaux. Non, attends. Marseille, Lille, Paris, Monaco, Montpellier. C'est exactement ça, bravo à toi, tu es chaud. Bon, vas-y, je vais prendre le P2. Ok, let's go, bravo à toi. Et dernière question, quel était le match et le résultat de la finale de l'Euro 2012? Euro 2012, la finale, c'est Espagne contre Italie. Et le score, il me semble que c'est 4-0. C'est exactement ça, bravo à toi, tu as été let's pixel. Go. Ah, je pense que je vais prendre la Fire. Merci. Bon voilà, GG à toi. Salut Luzord, je t'ai pas encore posé de questions, tu es le dernier. Oh salut. T'avais pas de chance, ouais. C'est tombé sur toi ouais, le dernier. Ouais, sans déconner. Voilà, donc toi, tu vas avoir trois questions qui vont être de plus en plus dures sur ton thème, qui sont les drapeaux. Première question, décris-moi le drapeau de la Finlande. De la Finlande, c'est fond blanc avec une croix bleue foncée. C'est exactement ça, bravo à toi. Donne-moi 4 pays ayant de l'orange sur leur drapeau. De l'orange? Ouais. Irlande. Ouais. Côte d'Ivoire. Oui. Les Seychelles. Et l'Arménie. Non, Seychelles, c'est plus du jaune. Oh, c'est de l'orange. Non, c'est du jaune. Oh, c'est pas cool, alors que j'aurais pu dire Arménie et Lituanie. Lituanie, attends. Lituanie, c'est du jaune. Oh. Non, une dernière, il m'en manque un. Ouais, ces trois-là, c'est bon. Je suis bête, l'Inde. Bien joué, effectivement. Pas un P2, hein. Ok. Cite-moi 2 des 3 drapeaux dans le monde qui sont pas rectangulaires. 2 des 3 qui sont pas rectangulaires. Le Népal? Oui, enfin, pas purement rectangulaire. Parce qu'en soi, techniquement, ils le sont, mais... Bah, la Suisse? Effectivement. GG à toi. Vas-y, je veux un T3, du coup. Ok, bah, let's go. Oh, j'ai loupé le premier kill, putain. Oh, GG pour le kill. GG's. J'ai loupé le fight, putain. Putain, la Fire Aspect, elle m'a mis mal. GG à toi. Sans surprise, voici ta petite récompense. J'ai gagné. Bravo The Guild. J'ai gagné ma propre question sur mon propre événement. Oui. Bravo The Guild qui connaît sa propre réponse. J'ai gagné ma propre réponse. Oui. J'ai gagné une question générale dans le chat. Tiens. En plus, j'avais précisément la question d'avant en plus. Dommage, hein, t'as pas été le plus rapide. Mec, tu vois que je l'ai. Ouais. Tu l'as vraiment eu? Tu l'as vraiment? Oui. T'es oui, trop fort. Vraiment. Pour de vrai, oui. Bah, j'ai à toi. Mais juste, je suis pas assez rapide, mais oui. Salut, t'es trop rapide. Attends, t'as déjà une T3 toi, non? Bah, tiens, si tu veux, je te passe un P2 en plus. Salut. Oh, salut. Petit 1v1. Battle. C'est l'heure de la Battle of Mid. C'est vrai? C'est une battle? Ouais, je vais regarder un peu votre inventaire. Je vous fais un petit BO3. Deux questions, et le perdant devra donner 4 gapples à l'autre. C'est pas cool ça. Bah c'est Je pensais que tout le monde était gagnant, moi. Je pensais que personne avait... Ah non. non. Quel est le personnage principal de la série The Walking Dead au début de la première saison? Rick. Ah c'était un draw, putain. Quel est le fleuve le plus long de France? La Loire. Ah vas-y, je suis gassé. C'est ça, Luzord, 1-0.
Bien joué. Dans quelle série de science-fiction les voyageurs dans le temps utilisent-ils un TARDIS pour voyager dans l'univers? Bravo. Un partout. Dernière question. Ayant à l'origine accueilli des courses cyclistes, quel nom porte le stade de l'Olympique de Marseille? Le Vélodrome. Putain, bravo, Bizarre. Let's go. Qui a battu Chewbac, qui est pourtant un expert. Bah du coup, tu lui files quel gapel. Ah vas-y, j'étais pas ça bien. Fait mal. Hein. Là, je vais pas remonter là du coup. Ah bah j'avais 3 stacks d'or moi, hein. Voilà, je peux le dire. Hein. Ah bah tiens, salut Nordcou. Ah, salut. Je vais pouvoir te refaire une dose de questions, let's go. Je galère un peu là. Ah, c'est vrai que là, en termes de stuff, je viens de voir ça, tant mieux que je suis retrouvé ce soir. Du coup, c'est toujours Mohamed Ali, tu auras toujours ta question, c'est pareil que tout à l'heure. Ouais. Première question, quel événement a conduit à la suspension de Mohamed Ali de la boxe pendant plusieurs années? Il a refusé de participer à la guerre du Vietnam. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Attends, je vais juste, il y a un fight, je reviens vers toi dans quelques secondes. Vas-y. Oh, le fight, je vous observe. Ça va jouer au gap. Ils sont même pas en zéro, tiens. Punk devrait gagner s'il fait pas la merde. En termes de stuff, il est mieux. Le problème, c'est qu'on va, on va juste se drain les gars. Quoi. Ouais. Après, alors, là, Ponk domine. Hein. Oh, oh. Il est bientôt. GG. GG à toi. Beau fight. 1v1 question, et après, vous fightez ouais. C'est ça. Ok. Vas-y. Bah, ça va être un BO3. Et le perdant, okay. Vous savez quoi? Le perdant, je lui balancerai une potion de poison. Ok, ça marche. Ok. Attends, et on s'attaque directement après. Okay, ouais, ce sera une potion okay. De poison 2, mais elle dure pas très longtemps. Ok, ça marche. Donc c'est un petit BO3. Première question, dans Undertale, quel est le nom de la musique qui est jouée durant le combat final contre Sans sur la route génocide? La musique de Megalovania. Bien joué à toi, 1-0. Ah, qui c'est Undertale? Deuxième question, qui a découvert la pénicilline en 1928? Oh putain. Ouais, je vois, j'ai dit ça en histoire géo. Je sais pas. Au lycée, j'ai oublié. Attends, tu peux pas dire la première syllabe de son famille? Non. Ah, je sais, Fleming. Bah t'as raison, bravo à toi. Fleming. Oh, ouais, bah du coup, t'as gagné 2-0. Donc je vais mettre, dès qu'il se trouve dans la potion de poison, tu peux fight, tu peux pré-gap. Vous êtes prêts? Ouais, vas-y, je suis prêt. Attends, ne bouge pas la mine, juste que je t'envoie la potion. C'est parti! Ouh là là! La vache. Ouh là là. Oh non! Waouh! Le comeback! Amine qui a l'avantage de fou! Il a pris du gap là! 34%, 27, 14, 19, 10, bref, 6! Bref. Un coup! 16%! Oh, une flèche! Oh, elle a loupé! Oh, elle a loupé la flèche! Non, je suis nul! Oh, t'as eu chaud là! Hein. Ouais, j'ai eu trop chaud! Bon, il est toujours sous pression de Rajox, qui pourtant avait gagné! Angelo! Putain, je suis nul à l'arc! Aïe, c'est fini là, par contre. Oui. Oh, le bon ploc. Ah là, par contre, ça devrait être bon. Maximilien, c'est ça. GG. Tu as gagné malgré le malus. Pardon, ouais, désolé, absolument. C'est juste qu'il y a eu des fights. Ouais, pas de soucis. Je te fais du coup tes deux autres questions. Enfin, d'abord, je te passe les trois diamants même. Mohamed Ali a participé à 61 combats professionnels. Combien en a-t-il remporté? Il en a perdu 5. Donc, ça fait combien qu'il en a gagné? Pas de calcul mental. 56. Bien joué. Quel est le nom du combat historique où Mohamed Ali a vaincu George Foreman pour reprendre le titre de champion du monde des poids lourds en 74? Rumble in the Jungle. Oh, bien joué, putain, mais tu connais bien. Je sais pas si c'était censé être dur ou simple cette question, enfin si c'était trop dur. C'est pas si simple, mais c'est pas non plus trop facile. Enfin, faut quand même connaître quoi. Ok, bah du coup, tu veux quoi? Tu veux 8 Gapel, un Leafier 3 ou une épée en or? L'épée en or. Ok. 166. Oh salut. 7. Oh, vous êtes plein. Bah je vais faire duel d'abord Tac et Kadis, puisqu'ils ont demandé en premier. Allez. Ça va être un BO3. Ok. De questions. Et attends, qu'est-ce que je pourrais mettre comme bonus au gagnant? Une potion de speed 2. Je vais mettre une plage de speed 2. Ok, vas-y. Ok. Première question. Qui est l'auteur du roman 1984? George Orwell. Oh, bien joué à toi. Allez, mon gars. Rapide, 1-0 pour toi. Deuxième question. Quel studio de jeux vidéo a annoncé le développement de GTA 6 en décembre 2023? Rockstar. Bien joué, bah. Mais Calis, gros joue, s'il te plaît. Il y a pas eu de débat là. Hein. En vrai, je l'avais, j'ai juste oublié le nom. Ah merde. Voilà. Grrr. Oh, il en a fait fumer. Oh. Joue ma gueule, joue. Wesh, Calis, il joue pas, les mecs. Il touche pas le sol. Mais frère, comment je fais? Je suis pas Nano 45. Arrête. Mais arrête, je suis. Mais t'inquiète, il est trop nul. Mais quel enculé. Arrête de faire, mon gars. Mais j'ai pas d'arc. C'est un peu compliqué. Mais Tac, pourquoi tu montes pas par ailleurs et tu le fonces pas dessus? Il est occupé à faire des gauches droites. Je jure que Calis va le brûler, regarde. Wouah. Il va le brûler. Oh. Oh, il s'en meurt.
Oh dommage. Bon, il a plus son bonus l'attaque, enfin il a plus son bonus, ça va être compliqué. Ah si, il est encore. Comment ça, il a plus son bonus? Oh bah il s'est quand même fait brûler. Ah. Eh bah bien joué, GG. Oh putain, Dark Power 3 ça fait... Ouais, tac, il s'est fait fumer hein. Je suis là, je suis là. Je vais faire un BO3 de questions. Ok. Et le gagnant, il va recevoir deux items qui peuvent l'aider en fight. Ok. C'est quoi en fait? Deux potions d'instant damage 2. Alors, première question. Comment se nomme cette langue qui est parlée dans plus de 120 pays à travers le monde et qui vise à établir un pont neutre entre les cultures? La langue des signes? Mais non, c'est une langue où c'est plein de mots de l'Union Européenne, genre. Enfin, du monde entier même, je pense. Et en gros, c'est genre un mot de français, un mot d'espagnol, un mot de machin, et c'est, ouais, et c'est hyper lisible. Bah, perso, j'ai pas. Pas non plus. Ça s'appelle l'espéranto. Alors, question suivante. Quel pays compose le Benelux? Ah, Luxembourg, Belgique et... Netherlands, c'est Pays-Bas. Exactement, c'est ça. Donc t'as un point. Wow. Alors, question suivante. Quel dessin animé français portant sur un monde virtuel était diffusé sur France 3 dans les années 2000? Ok, c'est Yann qui est en premier, non? Ouais. Ouais, okay. Ouais, ouais, c'est lui. Bah tiens, prends tes deux potions et vous pouvez commencer le fight. Je vais vous spec. Attends, ça va être bon. Mamma mia. Allez, français. C'est parti. Ouais. Allez, tu cool. Ouais. Oh, ça fait tellement mal. Oh non. Oh non, il a loupé. Il a pris son modèle. T'allais me tuer! Oh non, Yann! Oh, c'est horrible! Il se l'est mis dessus! Mais j'ai connu un mec, ça m'a mis dessus, c'est abusé! Bon, dommage, bah, t'as vraiment gagné le duel de culture! Ouais, ouais, mais malheureusement, ça n'aura pas suffi! C'est quoi ça? Elle s'est claquée sur ma gueule! En plus, si vous me la mettez, je mourrais, hein! Ah, je pense, hein, il était à un coup après! Bon, bah, je vais me TP sur Ponk! Je suis là! C'est quoi ton thème, vas-y. Ponk? Vas-y, vas-y! The Beginning of Sarzian, je pense pas que tu connaisses! Alors, c'est qui est ce fight? Bah nous deux là. Ok, bah ça va être un BO3 et le gagnant aura le droit d'utiliser, je lui passerai deux stolaves qu'il pourra utiliser seulement pendant le fight. Ok. Dans quel dessin animé Sam, Alex et Clover mènent une double vie d'étudiante et d'espionne? Oh putain, oui. Bravo. 1-0 pour toi, Ponk. Deuxième question, quel a été le premier président des USA? George W. Bush? Non. Kennedy? Le premier président pour Kennedy? Bah j'en sais, mec je connais vraiment pas hein. Vous l'avez pas? Le truc, putain j'ai oublié, faut que je cache mon chat, je crois que j'ai vu la réponse. Personne là du coup? Non je l'ai pas. Bah c'est Washington. Ok, ah bah oui, trop con. Quel modèle de voiture est utilisé pour voyager dans Retour vers le futur? Une DeLorean. Ponk était un poil en avant, je suis désolé. Moi qui ai le point de vue extérieur, je l'ai entendu d'une demi-seconde, oui. Je suis désolé pour te chérim. Oui, oui. Donc tu vas avoir deux sauts de lave pour toi. Merci. Ouais. C'est suspect ça. C'est autorisé ça. Mais c'est, il a gagné ça dans son... Ah bah, on battait. Ouais. Oui, on se bat. Merde, je vais prendre le flint à côté là. C'est une zone de guerre, fais gaffe. Oh merde, moi je failli rentrer oh. Oh le saut de la vient d'utiliser. Oh c'était la parfaite utilisation, bravo à toi. Tiens Caliste, j'ai envie de te poser tes questions de ton thème. Ah vas-y, tu veux qu'on s'éloigne? Ouais, facile. En quelle année League of Legends est sorti? Bah tu vois ça typiquement je sais pas, 2002. 2002? Non, c'est 2009. Je sais pas. Ah, on est d'accord, hein. Ouais, quel item du jeu possède le plus de magie résistance et combien coûte-t-il? Alors sur la saison 14, je crois que c'est... je crois que en anglais c'est Kainek Reborn. C'est pas ça le nom exact, mais on va dire que tu l'as. Ouais, bon c'est et, ça. Et combien il coûte? 2900, non? Exactement, bravo. Donc du coup, c'était tellement dur. Tu choisis 5 Gapple ou un livre protection 2. 35 Gapple. Et dernière question, c'est au niveau du lore. Okay. Cite-moi 7 régions de Runeterra. Oh, stylé. Attends, donc il y a Shurima, Noxus, Freljord. Shurima, Noxus... Ouais, ça fait déjà 3. Ionia. Toi, t'as dit quoi là? Ionia. Ah, Ionia, pardon. Ok, oui, c'est bon, oui. Il t'en manque 3. Bilgewater. Oui, il t'en manque 2. Zone. Zone, ah, c'est une région. C'est pas une région. Il faut un complément. Il y a l'Auvergne-Rhône-Alpes, je crois. Ah, j'ai pas, hein. T'as pas? Ah, vas-y, donnez les autres, hein, juste pour. C'était Piltover avec. Ouais, ouais, y'a Demacia, y'a les îles obscures. Ah ouais, j'ai oublié Demacia. Ouais. Targon, Shurima, Bendel. Voilà. Ah, t'as dit. C'est bon, les gars. Ouais, mais y'a 1000 personnes ici, c'est quoi ça? Fightez-vous un peu. Salut Kirito, t'es tout seul? Oui. Bah, tu sais quoi, je vais te faire ton thème. T'es un des seuls qui est encore tout seul. Donc, je fais la suite de ton thème. Alors, sur Liverpool, alors lors de la saison 2018-2019, Liverpool finit deuxième du championnat malgré un nombre de points exceptionnel. Combien de points ils avaient? Oh là là, 97. C'est exact. Du coup, veux. Le cauchemar. Hein. 3 gapples? Ouais, des gaps, ouais, franchement, là. Question suivante, qui va être meilleure, enfin de moins négative. Qui ont été les deux buteurs lors de la victoire en finale de Ligue des Champions 2019 contre Tottenham? Mohamed Salah et Divock Origi.
Exactement. Donc là, tu faisais entre un livre P2 ou Singapore. Ouah, dégâts pour corps. Vas-y, j'ai plus de niveau. J'ai la flemme de redescendre. De toute façon, je vais mourir en premier fight. Aïe, aïe, aïe. Dernière question. Surnommé les Reds, quelle était pourtant la couleur du club à sa création? Oh, putain, c'est deux couleurs ou pas? Non, une seule. Ok, c'est pas bleu? C'est bleu, exact. Bien joué à toi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Attends, c'est quoi le livre? Tu peux répéter? Un livre tier 3, mais avec lequel tu peux te faire un T4. Oh, si ouais, vas-y, je veux bien. Vas-y. Oh. Alors, vous allez avoir un BO3 de questions, et le perdant, je lui dropperai une potion de solace dans le fight. Et donc, voilà, okay. Ça va lui compliquer la game. Okay. Qui a écrit la chanson Lose Yourself? Daft Punk. Non. Ah non, c'est Eminem, je suis en ouf. Ah, bah bien joué, t'as raison. 1-0 pour toi. Parce que dans ma tête, j'avais Lose Yourself to Dance de Daft Punk. 1-0 pour toi. Quel est le point le plus bas sur Terre? Ushuaïa? Non, le plus bas, profond. Ah, profond? Wow. C'est dans un océan, mais je sais plus le nom. Il y est allé, James Cameron. L'Atlantide, frère. C'est à moins 7000, mais je sais pas. Non, moins 11000, c'est la fosse des Mariannes. Quel est le nom de famille de Tanjiro dans Demon Slayer? Merde, ouais, vas-y, j'ai jamais regardé les animés. Kamado Tanjiro. Kamado, c'est ça, t'as raison. Allez, fous-moi la slowness, j'ai perdu. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? C'est parti. Oh, du Noki domine. Bah, c'est normal. Ouais, la slowness encore. Ouh là là. Non. Oh non, Zino. Dommage, Juno. Bon, t'as au moins gagné les questions, mais le fight est perdu. J'ai un fight contre Amine, là. Honnêtement, contre Amine, ok. Court. Le perdant, je lui mettrai un effet de blindness pendant 10 secondes au début du fight. Quelle musique d'Indila est devenue la première musique française à atteindre le milliard de vues sur Tombé YouTube dans le vide. Non. Dernière danse. Bien joué à toi, 1-0 pour Narco. Quel joueur de basket est surnommé The Chosen One? Je sais pas, moi, LeBron. Bah, bien joué. LeBron James. Bien joué à toi. Ouais, je dis au hasard. Force à toi, Amine, qui va devoir combattre Narco avec la... La dinguerie. Ouais. C'est fou. Est-ce que t'as eu l'effet? Bah ouais. Ça commence. Oui, c'est bon. C'est bien. Un solo, de toute façon. Oui. Quoi? Oui. Wesh. Oh, ça a l'air fun. C'était mon foutu là-dessus. Oh non. Oh là l'enfer. Fire respect, peace blindness. Il ne pouvait rien faire. Attends, Luzord, vu que t'as gagné, je te pose ton thème. Vu que t'as gagné un fight. Moi aussi j'ai gagné, je parlerai au thème. Je te le poserai aussi. Quelle est la différence entre le drapeau d'Indonésie et celui de la Pologne? Les couleurs sont inversées. Bien joué. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau des États-Unis? Ouah, le vrai ou le faux? Le vrai. Bah, le nombre d'états, 51 ou 50? 50. 50 ou 51? 51. C'est 50. Pas de chance. Tu veux pas grave. Cite-moi les 5 couleurs qu'il y a sur le drapeau des Seychelles dans l'ordre. Enfin, pas dans l'ordre, tu t'en fous. Mais cite-moi les 5. Dans l'ordre? Non, pas dans l'ordre, on s'en fout. Rouge, ouais. Jaune, ouais. Vert, ouais. Bleu, ouais. Et violet. Aïe aïe aïe, c'était blanc, dommage. Ah bah je vais faire foutre, voilà. Dommage. Bah, t'as eu 6 questions sur 4, ça va? Non, 4 questions sur 6 plutôt. Tiens, voilà, Ponk, t'as des questions. Oui, pardon, oui. Vas-y, quel cadeau offre Jasmine à Arthur pour son anniversaire? Ah, attends, c'est quoi, putain. C'est pas de question pour ça. C'est pas des amulettes? Non, c'est une dague. C'est la dague, putain, sa mère, il l'a jamais utilisé de sa vie, la putain. Dommage. Dague. Alors, question suivante, attends, il y en a tout un peu. Quel est le nom des 3 continents du monde? Des 3 continents? Ouais. Parce qu'il y a 3 royaumes. Ouais, il y a plusieurs royaumes dans les continents, mais là, des 3 continents. Ok. Alors, il y a Dikaten, ouais. Alakria. Oui. Et attends, mais il y en a que deux des royaumes. Ah, c'est... Non, il y en a un dernier. Bah, sur Terre, il y en a que deux. Et sinon, il y a Euphéteus. Mais... Bah, c'est ça, ouais, c'est celui-là. Ok, mais c'est... Ouais, mais c'est le royaume des divinités. Du non, coup, c'est un continent aussi. Et du coup, dernière question. Ouais. Dans quelle ville réside la famille royale du royaume d'Elenoir? Non, je sais pas, je l'aurais pas. C'était Zestier. Attends, Ponk, je veux tester un truc. Ça donne combien de cœurs d'abso, ça? Là, 6. 5. 6 cœurs. 6. Ok, bah let's go. Ok, bah le pro. Qui veut fight? Et il aura ça en bonus. Première question. Comment se nomme un poème de 4 strophes avec 2 quatrains et 2 tercets? Oh là là. Non, c'est pas un alexandrin. C'est. Bah, j'ai que alexandrin sur le qui me vient, donc je l'ai pas. C'est un sonnet. Un sonnet? Oh non! Hop. Oh non! Ouais, je l'ai mis en même temps! Ok, je te l'accorde, allez. 1-0. Merci. Question suivante. Dans One Piece, qui donne son chapeau de paille à Luffy? Shanks. Wow! Punk qui a battu Narco sur du One Piece! Ok. J'ai aussi, hein. Bah je te mets ton abso. Et merci. Après vous pouvez fight. Là tu l'as normalement. Ah oui, ok. Donc regarde mais bien comment Amine. Je vais faire. Non. C'est bon. Vas-y go. Ouais mais vas-y my bad quoi. Je bug. Ouais de même t'inquiète pas. Mon mumble c'est horrible. Oui je change portable. Et au niveau que Ah il y en a niveau un peu les autres. Et gros tu crois qu'il y en a qui va mettre un quoi 8 blocs? Tout à l'heure je me suis retrouvé dans le fight Oh, le duel épique entre deux décadents de cette partie, et je crois que l'effet de Ponk est fini. Hein.
Comment gagner? L'avantage est disparu. Comment tu j'aurais perdu avec Speed 2, hein. Non, non, ça c'est faux, hein. Déjà, t'as pas perdu, là, hein. Oh. T'as regardé, c'est beau, ils sont trop sûrs. Oh, mais t'as trop de stuff. Oh. La flèche. Ouais, mais t'as trop de stuff. GG, nice shot. Bah, ouais, j'ai juste une pièce. Oh, y'en a des gaps, là. Ah, mais j'ai pas fait ma pièce P3, j'avais une deuxième gêne. Ah, merde. Est-ce que quelqu'un veut faire son TM qu'il a pas fait? Ah, je veux bien, moi je veux bien. Je crois que je lag. Bah viens, Ilu. C'était Hollow Knight, ah oui. Ouais. En quelle année est sorti le jeu sur PC? 2017. Tiens, 3 gapoles. Comment s'appelle la zone du royaume du rêve où les boss peuvent être combattus? Putain, je sais plus. Tu l'as pas? Je sais pas. C'est la maison des dieux. Combien d'idoles du roi sont obtenables en jeu? Il y avait 8. Je sais pas. Oh, bah j'ai... Ah bah je suis chaud là, le boss. Alors Restum, du coup, quelle actrice interprète Barbie dans le film éponyme sorti en 2023? Margot Robbie. Ok bah tiens, 3 gaps, elle s'en va. Margot Robbie, elle en vaut bien le double, mais bon. Qui a réalisé le film Taxi Driver sorti en 76? Scorsese. Bravo, tu veux P2 ou 5 gaps? P2. Quelle est la durée totale de la trilogie Le Seigneur des Anneaux en version longue à 15 minutes près? Je l'ai même pas vu. Alors, on va dire un peu plus, allez, 12h30. C'était 11h55, du coup 12h ça aurait été bon. Dommage. Putain de merde. Attends, du coup Nanox, bah je t'écris dans le chat, attends, tu m'entends? Attends, je te pose la question d'abord. Voilà, combien de tomes possède le manga? Oh putain, le pire c'est que j'en sais rien. 31? 74. Ouais, ouais, on est loin. Plus, ouais. Alors question suivante, quelle est la capacité que Ichigo apprend après avoir perdu ses pouvoirs? Fullbringer? C'est ça, oui. Donc voilà, livre P2 ou 5 gap. Va pour le livre, vas-y. Mais en japonais, tu sais comment ça se dit? Ah, Fullbringer. Et dernière question, qui en vrai est peut-être simple. Quel est l'équivalent du Zanpakuto associé au Shinigami, mais pour les Boons? Attends, oh putain, mais c'est un arc filler, je suis dégoûté. Wesh, comment il a parlé chinois? Ouais, japonais plutôt. Ah, non, pas ça. C'est un arc filler, j'ai pas regardé les arc filler. Ouais, non, j'avoue, je sais pas. C'est les dolls. Bah, j'avais pas du tout. Merde. Putain, je suis dégoûté. Attends, du coup, c'est Chewbacca qui m'a demandé. Toujours cinéma japonais, du coup. Quel film d'animation japonais a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003? Princess Mononoke? Ah non. C'était rien, c'était l'autre. C'était Chihiro. C'était Chihiro. Oh, moi j'ai oublié. Quel dommage. La question facile finalement, qui est la plus dure? Non. Alors, quel film japonais a remporté la Palme d'Or en 1997? 97? C'est pas le Langui de Shohei Mamura? C'est exactement ça, bravo à toi. Dernière question, c'est pas ce qui manque. Difficile. Vas-y. Quel est le nom du réalisateur japonais connu pour ses films d'animation sombres et complexes tels que Perfect Blue et Paprika? Satoshi Kon. Oh, bravo, bah c'était simple finalement. Putain. Mais Satoshi, c'est pas le mec qui a inventé le Bitcoin là? Prends le FK, c'est vrai, ouais. Je prends le tier 3, enfin le Div T3. C'était quoi? Ok, parfait. Alors, Nagato ensuite. Il est où? Ouais, je suis là. C'est là, ok, je sais pas vu. Je suis aveugle. Non, t'étais en sneak, du coup, je sais pas vu. Game of Thrones, toujours. Trois questions. Je peux changer, mais bon. Non, ça. Bon, si tu veux, je peux faire le thème. Thème Buffy contre les vampires de Noboy. Oh merde! J'ai oublié d'envoyer le Discord à Noboy, c'est pour ça qu'il n'a pas venu, je pense. Non, sûrement possible d'en mettre, t'inquiète. Ouais. Oh non! Discord. Ouais, enfin, j'ai oublié d'envoyer le Mumble, il y fait. Si Mumble n'est pas là, c'est pas ta faute. Non, il dort, un MP, genre. Ok. Ouf, Malik est pas invité. Bon, du coup, alors, première question. Comment s'appelle l'épéiste de Bravos qui entraîne Arya dans la première saison? C'est Serio Forel. Exact. 3 Gapol. Oui. Alors, question suivante. Donne-moi 5 régions parmi les 9 qui composent les 7 couronnes. Essos. Non, non, parmi les régions qui composent les 7 couronnes. Donc dans Westeros. Ah. Winterfell. Non, ça c'est une ville. Ah bon, bah j'en ai aucune. Non, mais genre le nord par exemple, tu vois. Ah non, mais non, je sais pas. Ah, ok. Est-ce que j'ai mis le Gapple? Non, t'as une Gapple. Ok. Après, le nord, le conflant. Ouais. Ah, mais non, j'ai déjà fait la question donc ça compte pas. Connard. Donc t'as rien, malheureusement. Game of Thrones aussi, lui? Non, 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 mais j'avais vu qu'il a pris un autre thème, je lui ai posé les questions pour voir s'il s'en sortait, tu vois. Ah. Du coup, dernière question difficile. Donne-moi le nom d'un des géants de Game of Thrones, un des géants qu'on voit. Valier. Mais c'est ma faute, hein, ça. Mais qui t'entends bluff? C'est ma faute. Pandore Clegane. C'est ma faute. Un des géants. Ah, c'est lui qui m'a donné la question. Ansar, la montagne, c'est un peu un géant, quand même. Non, non, non. Non, j'ai pas aucune idée. T'avais Wunwun, Mag ou Dongo? Ah, Dongo, lui, c'est vraiment... En vrai, Wunwun est trouvable. Wunwun, il est connu, ouais. C'est le frère de... Oh, bah, j'ai... On dirait un peu le collègue ouais, de Chewbacca. Noum, noum, là. Sur salut. Le médecin en disant, vous avez pas fait votre taf. C'est toi qui m'as tiré dessus? Non, moi, je suis tombé pour envoyer des questions à Gil, vu qu'il en a pas eu depuis longtemps. Bah, ouais, bah, vas-y, vas-y. Tiens, ton petit thème. Allez, Koh-Lanta, la suite. Vas-y. Qui est le... C'est Dali, il va savoir, attends. Qui est le vainqueur de la précédente édition de Koh-Lanta? Non, mais... Il en a posé juste avant, c'est Frédéric. Bah, je le savais. Merci Dalil pour les travaux. Mais non, mais je le savais. Alors, cite le participant qui a gagné le plus de fois l'émission.
Clémence. GG. Donc Singapour ou l'IFP2? L'IFP2. Quel était le nom de l'ancien présentateur de Koh-Lanta avant Denis Brogniard? Hubert Auriol. What the fuck? T'as vraiment trouvé ça? Ouais. Bah GG, c'est Hubert Auriol, je te le compte. Ah, Auriol. Bon, en soi, théoriquement, c'est faux. Mais et voilà. C'est comme tout à l'heure, t'as dit Renard. Hein. En soi, Renard, c'est faux. Hein. Faut dire. Ah, c'est vrai, Renard. Non, mais c'est le nom de famille, ça marche. Dalil, je t'ai fait toutes les questions ou pas? T'es venu me voir une fois. Ok, bah je te fais les autres questions. Et après, je vais voir ceux qui se fightent. Ton thème, c'est Smash Bros. Donne-moi 6 champions qui sont sortis lors des DLC de Ultimate. Joker, Bailet, Steve, Kazuya, Min, Plan Piranha. En plus, c'est vrai. Ouais, c'est et Plan Piranha, c'est dit. Et c'est bon, c'est bravo. 3 Gapol du coup. Combien y a-t-il de jeux de la série Smash Bros? Alors, ça dépend. Alors, il y a le premier sur 64, 2 Melee, 3 Wii, 4 Nintendo DS. En fait, ça dépend. Est-ce que la Nintendo DS et la Wii U, c'est le même jeu? Non. Si c'est pas le même jeu, 6. Si c'est le même, 5. C'est pas le même. Bah, 6. 6 Bah, c'est 6, ok. Donc, Leaf Protection 2 ou Singap? Bravo, Daniel. Bravo, Daniel, on peut l'applaudir. À sa sortie, combien de stages différents trouvait-on dans Ultimate? Facile ça, putain. Je sais pas, je sais pas. C'est vraiment quoi, c'est... Oh là là. Wow. 25, j'ai jamais joué au jeu, je le sais. Tu sais pas? 48. Non, il y en avait 103. Eh non, 103. Ah ouais, c'est sympa. C'est vraiment joli. Je pas tes classiques. Bah, bien sûr. Bon, attendez, je vais aller voir ceux qui se fight. Ah bah, c'est Kalista du Zord. Let's go. Le gagnant aura un effet de Regen 3. Pendant 15 secondes. Quel ancien footballeur brésilien et lyonnais est le recordman du nombre de coups francs marqués? Roberto Carlos? Non, c'est... tu l'as pas, Kalista? Je regarde jamais le foot, je sais. Ok, j'ai. Vas-y, dis. Benzema? C'est Juninho. Non, c'est Juni, t'as raison, Nagato. Ouais, bah, dommage. Mais t'en sais rien, t'as lu ton chat. Ah, bien sûr. Hein. Si je me trouve à Nairobi, dans quel pays d'Afrique suis-je? Kenya. Bravo. 1-0. Wow. Quel groupe a écrit la chanson Ma Direction en 2012? Section d'assaut. Bravo! Oui, putain, ouais, la réponse long. A été longue! Ah, j'ai du mal. Un partout, dans quelle fable de La Fontaine est tirée la morale? On a toujours besoin de plus petit que soi. Guy des Sacrocs. Du coup, je vous la donne, c'est le lion et le rat. C'est le lion et le rat. Ah ouais, hein. Comment s'appelle l'étude de la Terre? La géologie? Bah bravo. Quant à l'effet, le combat commence, ok? Ok. C'est parti! Putain, j'ai eu un trou. Bon, franchement, je sais pas, mais en vrai, c'est devinable. Ouais, ouais. Ah, tu peux pas perdre. Oh, wow, tu peux pas perdre, c'est caméraman. Oui, bah, c'est 15 secondes, faut t'en pour. C'est caméraman. Kalista, mange, frère. Attends, éloignez-vous par contre, mais barrez-vous. Les mecs qui se mettent vraiment entre les deux. Ah, y'a plus la régène. Faut t'en pour. Mange. Et cette gamme, gros. Attends, y'a un squelette. Attends, on s'occupe de l'extérieur. Oh, bravo Lizard. Ah ouais. Allez, prends son cadavre en photo là. Ça va bien être dans ton Lucian. T-bag. On toujours Valo quoi. On peut avoir le fight d'Ali et moi, ça fait une heure on attend. Allez-y hein. Le gagnant remportera 2 potions de Instant Elf 2 qu'il pourra utiliser comme bon lui semble. En splash? En splash, ouais, bien sûr. Alors, petit BO3, quelle est la capitale de la Roumanie? Ça a commencé les gars. Ça a commencé. Non. J'entends pas hein, vraiment ça abuse. Ah ça bug, putain quel dommage. Non c'est pas ça. Il a dit quelle est la capitale de la Roumanie. Là vous entendez, c'est bon, vous êtes prêts? Ouais c'est bon. Qui a inventé le vaccin contre la rage? Pasteur. Bien joué, 1-0 pour Dalil. Comment t'as douté? Quel est le lieu principal de Super Mario Galaxy? Bah la galaxie. Ah non mais tu veux dire le ok le bah oui je sais mais l'observatoire des étoiles ça s'appelle. C'est pas ça le nom exact. Ah ouais? C'est tellement dur. Faut le dire en anglais. Non, c'est pas ça. Star Laboratory. Ouais, ah oui, c'est sûr que j'ai peine, non? Ouais, c'est quoi? J'appelle pour c'était la réponse. Tu veux la réponse? C'était l'observatoire de la comète. Oh! Moi, je lui aurais donné une demi réponse. Non. Quel animateur présentait le juste prix entre 2009 et 2015? La gaffe. Bien joué, un partout. Aucune idée. Masterclass. Quel est le symbole chimique du potassium? PT. Non. Il a dit O hein. T'as dit O? Non, bah c'est aucun des deux, c'était K. Alors question suivante, combien de nouveaux Pokémon sont apparus lors de la seconde génération? Oh. Il y en a pas beaucoup. Mais question de ouf. Il y en a vraiment pas. 24. Beaucoup. Aucune idée. Dans la deuxième, ouais, je vais dire dans les 70 à peu près, mais je sais pas le nombre précis. Il y en a eu 100. Question suivante, comment crafte-t-on un échafaudage dans Minecraft? Bambou. Et du bambou. Ah, ouais. Alors, combien de bambou et quoi? Combien? J'en ai aucune. Dans 7 réponses s'il te plaît frère.
Mais t'as pas quoi ta gueule. C'est 6 bambous et un fil. Putain, vous êtes trop nuls. Alors, ok, question suivante. Quel chanteur a écrit la chanson Shape of You en 2017? Ben Sheeran. Bravo ce kill. C'est le rookmood. Tiens. On parle pas de ce mec, s'il vous plaît. Ouais, on arrête de parler. Oh, Ilu, rembourse cette potion, Ilu. Aïe. Attends, c'est quoi, t'as pris une potion là? Ouais, mais c'est pas moi. C'est trop sur le bloc. Ouais, mais le truc, c'est qu'après, parce que des gens. Non, c'est pas. Oh, la potion clutch. Il est trop stuff. T'as eu de la chance de Guilin, t'as eu très chaud. Ah ouais. Allez, on le fight. Ah. Elle a pas récupéré son eau. Oh non. J'ai eu de la chance. Ah bah j'ai The Guil qui gagne, c'était. Il est remonté de loin. J'ai eu vraiment de la chance. Ouais, t'as eu de la chance. Dans le corner là, c'était chaud. Je vous remets une dernière séance de questions dans le chat avant les derniers duels. Vous allez avoir. Non, d'abord, question dans le chat. Comment ça va? Je pensais que tu l'as. Wouah! Ah ouais. Allez. Ah, j'ai oublié. Non! Rest Hump! Oh non, Nanox qui était si proche. Putain, tu savais plus. Bon, on repasse quand tu me dis. Rest Hump, c'est la fiche sur le prénom. Le Rest Hump. Mais c'est son prénom. Ah, c'est le nom, hein. Le nom, ça suffit. J'ai 3 perles, c'est vraiment bizarre. Non, quoi? J'ai envie de mourir, hein. Allez, vous êtes prêts? Je vais l'envoyer. Oh, mais j'en sais rien. 67. Ah, mais non. Oh, tu regardes Harry Potter? Non, c'est un truc de weeb. Oh, mais. Aïe, aïe, Rest Up avec un flame, ça fait très mal pour vous. Mais je pensais que c'était le nom. Oh, lol. Attends, mais. Mais comment ça? Mais un peu fou là. Non, y'a un H. Y'a un H. C'est une faute. Oh, il a juste fait une faute. Il a fait deux fautes. Il manque un H et un E. Oh là, il a juste fait une faute, celui qu'il a eu en vrai. Bah ouais, mais. Et il l'a fait sa partie, hein. Si Rest Up a écrit Lucas avec deux SE, je l'aurais pas compté. Dernière question. Ah non, je voulais donner un Leaf Punch, mais je me dis que c'est un peu casse-couille, donc je vais pas donner ça. Je vais donner des Death Strider 3. C'est super cool. Ah, Chovax! Moi je suis le seul à avoir une récompense. Moi aussi j'avais commencé les récompenses et je suis trop con, ça. Viens ici. Bravo, bravo. Jimmy, Pop, Mozo. Si moi j'ai fait une faute. Gracias. Il a écrit grand cru que Z quand même. La chance, Chop, vu l'océan. Non mais il a. Après, il a écrit juste, regarde. Il me faut plus de niveau, Gap. Bah, du coup, là, vous pouvez reprendre les D1v1, les gens qui veulent s'affronter. Attends, il y a Kiruto contre Ilu d'abord, ils ont déjà demandé. L'un de vous deux, le premier qui me cite un pays qui commence par Z. Zimbabwe. Bravo, Ilu. J'allais dire ça. Oh, la lenteur. Non, y'en a un autre, y'a la zombie. Même belle blague. J'allais dire un Zéland, mais bah y'a une nouvelle. Quel animal est bourriquet dans Winnie l'ourson? Porc. Le porc. Un porciné. Les gars. C'est le porc. C'est le porc. Bourriquet. C'est un cheval, je sais pas, frère. Il est dépressif, non? Ah oui, c'est un âne. C'est un âne, bravo, Ilu. Tiens, Ilu, pour ce fight, tu as le droit d'utiliser cet item. Quoi? T'es sérieux? C'est quoi? Un briquet. C'est un briquet. Ça va. Ah ouais. Eh, hey, Ilu, t'as pas les couilles de pas utiliser. Vas-y. Il y a un décompte? Le mec il fait un décompte. Il faut y aller, c'est bon. Ça fait 1h30 là. Oh, ouais. Ah ouais, le décompte. Attends, on recommence. Attends. Au moins, coup d'honneur. Ouais, moi je pue la merde. Oh. Et attends, c'est quoi ce bordel? Moi je suis pas trop fort. Attends, il s'est passé. C'est passé un truc là, attends. Bien sûr que j'ai peur. Qui veut se mettre contre un gâteau? Ouais, je crois que Guigui il veut, je crois. Bon, ça me dérange pas. Bah, vous pouvez, hein, allez-y. Hein. Oh, mais là, par contre, là, le duel va être. L'item que vous allez remporter va casser les couilles à l'autre. Pour ce fight, le gagnant remportera un Power 5. Quoi? Seulement pour ce fight. Wesh. L'autre, il a eu un briquet. C'est broken que... Et ça alterne. C'est vraiment broken que si c'est Valiki là. Ouais, le gagnant, il y a une bombe nucléaire. Dans The Last of Us, comment se nomme le champignon parasite à l'origine de l'épidémie? Je sais pas. Mais il a vu ça, Valier, non? Tu la moisissure? Non. Non. Il a périmé. Il s'agit du cordyceps. Quelle couleur est associée à la pierre de jade? Vert. C'est Nagato qui était, de mon point de vue, un poil en avance. Ouais, moi aussi. Quoi?
Ouais. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. 1-0 pour Nagato. Je me suis entendu avant. De quel pays Justin Trudeau a-t-il élu chef du gouvernement? Californie. Non, c'est pas un pays. Un pays. L'Italie. Non. J'en ai aucune idée. Aucune idée alors. Ok, bah il s'agissait du Canada. En quelle année est sorti KTP 1? 2012. 2013. Bien joué Nagato. Oh. C'est plus. Non, c'est trop de la... c'est trop de chill de répondre après. Je te dis force, Nordco. Vas-y, allez. Ok. Non, mais j'enlevais les trucs. Pour le prochain. Oh, putain, mais il a eu un putain de fire. Ah ouais. Oh. Ah ouais, c'est... Ah, t'as du stuff, quoi. Oh. Oh, yoyoyoy. Ça fait mal, ça. Tu fais trop mal. Enculé. T'es 4, hein. Oh, la fire, c'est tellement fort. Oh. Oh l'arc! Sale enculé! Non mais c'est. Y'a eu un prix! Ah ouais! Franchement, je pense que c'est pas le plus qu'en faire avec. Hein. Non, il pourrait y avoir pire, mais bon. Je pense que j'aurais été pire. Hein. Oh 7. Bien joué. Bien joué. Nordco. C'est Chobac, c'est Luzord qui voulait fight. Chobac, c'est Luzord, c'est ça, ouais. Combien valent 0 Kelvin en degrés Celsius? Impossible de l'avoir. 0? 7? Non, moins 273. Moins 273. Comment on peut faire calculer ça? Ok. Quel océan borde la Chine? La mer de Chine. Ah non, pardon, océan Pacifique. Ah, bien joué Chobax. Quelle est la date de sortie de LG saison 1? 2016. Oh, bien joué Chobax. C'est la classique. Tiens Chobax, voilà. Est-ce que t'as des flèches? J'ai un stack. Ah, ça suffit. Chobax, prends ça pour ce fight. Je suis avec. T'es quoi? Bah, vous verrez. 3, 2, 1, c'est parti. Encore là à ce moment-là. Flame fire, j'en ai wow, il a la totale. Ah ouais, il a tout. Ah, c'est le maître du feu, hein. Tu vois, le power 5, fallait pas lui donner lui. Le mec, c'est le pyromane équipé, oh, quoi. Oh, non, lui. What? Oh, la fée. 8%. Oh non, lui. Oh, le harcèlement de l'arc flemme. Oh, le pauvre Luzord, non. Oh, je suis désolé, Luzord, pour ce que je t'inflige. Mais au secours. Voilà. Oui. Oh! Ah! GG! Ah. Wesh, j'ai cru qu'il allait. GG Chobax! Qui veut fight? Reste un Tanox? La récompense, ça sera un cheval avec une armure en diams, hein, je précise. Ah, ok, bah je me mets nos stuff au pire. Non, mais. Dans Zelda Breath of the Wild, comment s'appelle le dernier roi d'Hyrule? Mais. J'en ai aucune idée. Apparemment, c'est Roam Bosphoramus Hyrule. Quelle est la technique aux échecs pour battre un débutant à coup sûr en 4 coups? Le match berger. Exact, 1-0. Ouais. Dans quelle région française se trouve la ville de Guingamp? Région. C'est chez lui, ça. C'est la Bretagne. GG. Oh, mais les chevaux sont désactivés, non, chef. Ah merde, c'est activé. Oh non, l'enfer. Bah tiens, alors le truc que je vais donner après, c'est ça, alors. Oh, Dick au web. Ouais, c'est juste pour le fight, Dick au web. C'est juste pour le fight, Restump. Ok. Parti. Pas mal, la technique du lag. Oh! C'est déjà fini. Oh! Je vais pas enterrer. Je me suis trempé de touche. Les nanes particules. On lui met des chiffres. Les nanes particules. Wesh! C'est serré. Oh le flame! Thibaut crit au flame. Ah, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, c'est un beau crit, ça casse les couilles. Alors, beau crit au flame. Ça donne vraiment le flamme, c'est hein. J'espère tellement que je vais mourir avant d'affronter Julien. C'est pas un genre comme web, Restump. Illu, je vais faire exprès de perdre les questions là, hein, c'est bon. Ah, c'est Cobalt le plus long du monde. Non, c'est moi. Oh, tu es ce guy, Nanox, tu es ce guy. Oh, on a une good skill. Le mec qui veut trahir. Oh, il était low là. Et maintenant? Parle toi bien. Wesh. Oh, le harcèlement. À l'endroit de merde, aïe. Sa fin. C'est terminé. Chop. Mais attends, Restum, c'était volontaire de pas utiliser une seule cobweb? Ouais, mais moi j'aime pas ça. Hein. Ah d'accord, bon. Moi j'aime pas. Au début, vas-y, ça m'a fait perdre du temps quoi. Et lui voulait affronter Gil, c'est ça? Après, Le gagnant va avoir un résistance pendant 30 secondes. Comment s'appelle le traité fondateur de l'Union Européenne? Ouais, il m'a donné plein de gapos. Quoi ça s'appelle, putain? Vas-y, donne la réponse. Le traité de Maastricht.
Quel film d'animation Pixar raconte l'histoire des sentiments d'une jeune fille nommée Riley? Vice-versa. C'est exact, 1-0 pour The Guild. Ouais. Qui est connu pour avoir produit une œuvre représentant Marilyn Monroe sous différents spectres de couleurs? Picasso. Non, c'était non. Andy Warhol. Warhol. Quel est le plus grand mammifère de la Terre? La baleine. Non, enfin précise. Page. La baleine bleue. Exact. Ouais, voilà. Okay. Un partout. Question suivante. Quel joueur de la game est mort en premier? Oh putain. Back. Omega. Non. Bien joué, Élu. Omega. Ah, ouais, let's go. Bien joué, mec. Bien joué. Mais oui, il est mort PVE. C'est bouffant. J'avais oublié. J'avais oublié. Il est mort PVE. J'avais complètement oublié. Ah, c'est pas la même histoire. Hein. Ouais, là, on commence à voir les diffs. Moins cher tout de suite. Ah ouais. Marais, c'est quelque chose quand même sur ce joueur. Bah, surtout quand t'es full games, quoi. Ouais. Qui sort. Les flèches, elles font 1%, frère. Ouais. Alors que c'est du bon pour 3. Déstabilise-le, frère. Mèche. Putain, il a bien tempo là, tu lui as bien niqué sa résistance, le pauvre. Je crois que ça fait 30 secondes. Hein. Ah là, ça fait sûrement 30 secondes. Hein. Vous savez que les 4 stacks de flèches à farmer, ils allaient servir à quelque chose. En direct de la finale d'Arctic Live. Je te jure. Là, y'a pas d'option sur Arctic. Cyber, oui. Wesh. Allez, 10 000 là. Oh, oh, il s'envole. Ouais, ça va aller plus vite que prévu. Le mec, il évite carrément, c'est abusé. Non, Dimi. Ah, là les flèches font mal. Oh. Hop, bien joué. GG. Dommage. GG The Guild pour le kill. Vous êtes plus que 4. Je crois que c'est la Chewbacca, c'est Nardcode ce fight. Ouais. Bon là, le perdant, il recevra 30 secondes de nausée. Oh, ça va. Ouais, c'est jouable, mais c'est quand même handicapant. Oui. À quelle famille d'instruments appartient la trompette? Les cuivres. Chobax. De quel alphabet est dérivé le russe? L'arabe? Non. Le... perse? Non, c'était le cyrillique. Quel nom donne-t-on à un journal qui publie toutes les semaines? Un hebdomadaire. Bien joué, Nordco. Un partout. Qui a écrit L'étranger? Oh. Je sais pas. Victor Hugo. Chobax, tu sais pas? Albert Camus. Pas Camus? C'était Camus, ouais. Trop tard. Je l'ai dit cette fois. Ah, tu l'as dit? Ouais, il a... Je l'ai dit vraiment... Ok, bah ça devait laguer alors. Bah ok, bah tu as gagné du coup. En fait, moi j'ai entendu mu, donc je suppose qu'il l'a dit. Ouais. Vous entendez, mais vous m'entendez pas. 3, 2, 1, c'est parti. J'ai pas nausé, hein. Ah, c'est bon. Ouais, ça met du temps à démarrer. Wow. C'est vrai que c'était le joueur nausé déjà à l'époque. Mais oui. T'as eu combien de temps, Nausée? 30 secondes, mais j'ai encore là. C'est juste qu'il est trop fort avec Nausée. Bon, ça change, ça changera. En vrai, pas là, tant que ça. Bon, j'ai plus là. Mais il a moins de P3, il a moins de P3, tu vois. J'ai fait une utilisation contre toi. Oh! Oh! À l'endroit de fou. Ouais, je connais Ghost aussi, avant. T'as pas mis ça là? J'ai pas d'eau. Ah. La fin du combat qui est. différente. Attends, j'appuie sur X. Ah, c'est chaud. Dernier fight en cave. Ça va pas terminer. Oh, le 2 morts là. Oh, là, c'est chaud, il a des spiders. Faites gaffe, hein. Fight d'ouf, je crois. Fight on by side. Ah, elle est fermée. Et la bordure, oh, la bordure. Comment c'est possible? C'est vrai? Non, c'est bon, elle est loin, vous êtes en, vous inquiétez pas. Parfaitement pile le bon fight, quoi. C'est bizarre. Oh, le cave fight. Ah la laser de Kef Fight sur PB Gym qui font la diff. Oui. Ouh Lolo. Oh c'est peut-être pas fini. Oh l'expérience de tempo. C'est trop dur, d'habitude je tempo avec l'eau, mais bon Death Rider vas-y. J'ai remonté en haut frérot, je sais pas contre toi. Tu vois que ce qui était pas loin de l'exploit. Il attend pas du coup. Putain, je suis dégoûté du spectacle. Ouais, j'ai plus trop d'huile donc. Vas-y, je redescends. T'as d'huile ou pas, Julien? T'en as combien? Moi, toi. Je t'ai voyé. T'es tellement malin, je peux rien faire. Oh 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 oh. Oh, je crois qu'il avait mis un coup de fire. Oh. Oh non, il aurait dû y aller. Oh non, t'aurais tellement dû y aller. Ah ouais, je pense qu'il me tue pas. Ouais, je pense qu'il le tue pas non plus. Après, il a Death Rider, oublie pas. Dommage. Bel effort. Il a
Nintendo Block. La dinguerie du Hittenblock. Bah, c'est une kill contre Restump. En vrai, ouais, pourquoi pas pour ce fight. Le gagnant, je lui augmente de 1 son niveau de sharpness. Ça sert à ça, je mets pas un coup d'épée, je te préviens. Quel ingénieur a conçu la Statue de la Liberté? Bah, avec Gustave Eiffel. Bien joué, 1-0. T'as dit, ça m'énerve quand les mecs ils disent bah. T'es un bouffon ou quoi, mec? Quelle est la langue officielle du Brésil? Portugais. Bien joué, The Giel. Quel est le nom de la sauce grecque faite avec du yaourt et du concombre? Tadziki. Oh, GG. Ouais. Wow. What the fuck? Ah ouais, ok. J'aurais tellement dit la sauce. Du coup, t'as une T3 passant ton épée. C'est facile, ça. D'accord, c'est que pour ce combat, hein, la Sharp 4. Hein. Ouais. C'est la place. Ta grand-mère, ça y est. Ah, c'est horrible, hein. C'est serré pour l'instant. Ouais. Ah, mais le flame, c'est tellement horrible. Ouais, c'est vraiment un cauchemar. Ouais, sa mère. Julien, il a pas joué depuis 2 ans, mais ça se perd pas vraiment comme Minecraft. Bon, ouais, c'est surtout qu'il m'explose même sans jouer, hein, ça c'est. Surtout qu'il a fait 10 fights avant. Ah, mais. T'en as fait qu'un? Ah, c'est ton premier fight contre Nalox? Ouais, oui, oui. Ah, what the fuck? Moi aussi, c'était mon premier. Ah, vraiment, what the fuck? Les gens, ils. Bah, déjà, j'ai bugué pendant 50 ans, donc bon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est chiant. Mumble, c'est trop chiant, censé. En plus, j'aime pas me fight en question pour un champion, je préfère les questions. Ouais, je comprends. C'est pour ça qu'on est là. Ouais, pareil. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que j'ai essayé de faire les thèmes à tout le monde, même quand il était. Comment ça? Il y a des trades où je me dis, il est tellement dans la merde. Ça va. Aïe! Par exemple, là, tu vois. Bah, tu t'en sors pas mal, là, je trouve. Ah, c'est le stuff, hein, je peux pas te tuer, en fait. Ah, belle perle. Stimpy. GG. Bel effort, mais c'est fini. GG. Surprenant, Restump est en finale. Et Narsko aussi. C'est vrai que le face finale, le gagnant, il aura le choix soit entre. Je lui mets Fire Aspect 2 sur son épée, principale. Ouais. Soit je lui passe plein de sauts de lave et il peut les utiliser à sa guise. Ouais. Ou alors je lui mets Force. Mais comme c'est la force 50%, comme les LG. Force. Ouais. Force. C'est celle DLG. C'est quoi? Oui, bah après, c'est le face final. C'est normal qu'il y ait une. Ok. Avantage de fou. Moi, je pense que. C'est quoi les deux autres propositions? Saut de lave. Saut de lave ou Fire Aspect 2 sur ton épée de base. Je préfère avoir deux sauts de lave que force 50%. Hein. Du coup, bah là, ça va être des questions que je vais poser qui vont être un peu plus longues, mais voilà. En mode de duel final. C'est un BO5 cette fois-ci, donc il faut 3 points. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Je suis un personnage de livre apparu pour la première fois dans un roman en 1920 et pour la dernière fois en 1975 avant d'être adapté en série TV ou film. Tintin. Incarné notamment par Kenneth Branagh. Ah, connu Hercule pour Poirot. Ma moustache. T'as dit quoi? Hercule Poirot. C'est ça, bien joué. Ouais, je l'ai fait. 1-0. Bon, deuxième question. Série télévisée française mettant en scène des acteurs tels que Christian Clavier ou Alain Chabat. J'ai été diffusé entre 2005 et 2009 sur M6. Ah, dans le but de succéder à Caméra Café dans un format très court. Kaamelott. Caméra Café? Non, c'est Kaamelott. Bien joué, Restump. 2-0. Eh, Christian Clavier dans Kaamelott. Animal au nom scientifique Acinonyx jubatus. Je suis un mammifère actuellement en voie d'extinction avec moins de 7100 individus recensés en 2019. Présent principalement. T'as dit quoi? Non, rien, j'ai dit le. Présent principalement en Afrique subsaharienne, mais également dans les autres régions du continent et au sud de l'Asie. L'éléphant? Je suis surnommé royal lorsque atteint d'une mutation qui peut provoquer chez moi des taches et bandes noires sur mon pelage. Ah, la panthère. Carnivore d'en moyenne 50 kg pour les mâles. Je cherche de. Bien joué. Ah putain. Bien joué Nartko, 2-1. Star Mode, c'est lequel? Ouais, c'est le guépard. Comme ça. Ouais, j'allais dire le tigre, mais vas-y. Alors, question suivante. Sportif, né sous le nom de Edson Arantes do Nascimento, je nais quelque peu au nord de Rio de Janeiro et passe mon enfance dans la précarité. Pelé. Bien joué. Ouais, ok. T'as eu trop vite. J'ai cru que t'avais dit français au début, c'est pour ça que j'ai bugué. Ah non, non. Quand j'ai entendu son nom, je me suis dit, je le connais, lui. Ouais, Edson. Ouais, c'est génial. Okay. Ouais, du coup, tu choisis entre plein de. Enfin, des sous de lave ou force. Ah, attends, enlève lui sa T4 là. Ah, non, oui, il a plus déjà. Prends ta T3 du coup. Si, il me faut une T3, Ouais. Tu me l'as prise. Tu veux force du coup, Rassump? Ouais, force. Bah, on lui a donné 15 gaps, hein. Tiens, je te passe des potions comme ça, tu peux les boire. Oh. Va prendre un coup d'épée, va voir. Va tâter le terrain un peu. Ouf. Un cœur d'une par coup. Ouais. Le problème c'est qu'il est terrifiant à l'épée, mais à l'arc aussi. Ouais, avec son flame. C'est un peu le problème. Aïe. Oh, l'arrosage. Je suis pas content de pas avoir joué la game, hein. En vrai, quand je vois les fights. En vrai, c'est cool de poser des questions. On va regarder un petit point sur le heal.
13. Contre. Si veux, il me reste une potion encore après. Ouille. C'est une dinguerie. Tu t'es pris une tartine. C'est une dinguerie. Oulala. Abusé. Ah, c'est énorme. Putain, s'il tuait le flame, je pense qu'il le tuait. C'est trop abusé. Est-ce qu'il a encore une perle? Ouais, il en a une. Il a gâché la première. Oh, oh, c'est peut-être fini. Non, ils savent mieux topo que ça quand même. Oh, la oh. Bonne perle. Oh, 5%. Elle est pas passée. Ouf. Oh, si close, 5%. Attends, mais y'a les dégâts de perles ou pas? Y'a seulement un cœur. Ouais, ouais. Ah, il tempo trop bien, du coup, reste un peu dans la merde. Après, il a raison de jouer lui, hein. Ah, ça va être la fin de restum peut-être. À moins que. Oh, GG. Incroyable, GG. Bravo. Ouais, il en avait plus, lui. Ouais, j'ai vu. C'est impossible de tuer les gens dans ce putain de truc. Frère. Ah, c'est dur, hein. Mais en fait, il a commencé, il avait 40 gapoles. T'en avais 20. Bah. Ouais. Il avait le double de doigts. Et là, il en reste quasiment plus, hein. Il en reste 6, ouais. Il en reste 6, hein. Franchement, t'en as drain. Ouais, t'as oublié, t'es dangereux. Votre nombre de heal, franchement, c'est dommage. Ouais, si tu mettais la flèche, tu le tuais plutôt, mais. Ouais. Ouais, ça se joue sur la flèche. À ce moment-là, je savais que t'allais arriver là, en fait. J'ai vu l'endroit, je savais que tu. Genre l'endroit c'était de la merde, il y avait un trou dans l'arbre. Bravo Anarko. C'était trop cool hein, c'était trop bien. Ouais j'en ferai peut-être un jour mais... Ça 5 subs là. Super beau, ouais bah oui putain tu fais chier avoir perdu. c'est trop bien en vrai, même les fights étaient chill, les gens regardaient les autres. Ouais c'était cool. Écoutez tout, franchement... J'essaierai d'en refaire un avec Étoile, comme ça on sera deux à poser des questions, on pourra en poser plus. Je proposerai d'en dire en un ou deux mois, comme ça. C'était cool ouais. Ouais merci d'avoir joué, c'était sympa. Ouais, bah merci pour la guerre. Merci d'avoir joué. Bon bah let's go, c'est terminé. GG Anarko, c'était grave cool.